Et bonsoir Twitch. Hop. Alors. Hop, j'ai oublié le chat. Voilà. Donc ce soir on reprend Game Day The Story. Que j'avais commencé dimanche dernier. Que j'avais pas vu la soirée passée parce que ça va, ce jeu est pas trop mal. J'espère qu'il est pas trop long, je crois que je sais plus combien d'années on avait passé déjà. Il devrait pas durer longtemps. Je pense que. Peut-être que dimanche prochain ou peut-être celui d'après, il sera terminé. Ouais, c'est un jeu de 6 heures, un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? On avait créé pas mal de jeux. On va continuer tout de suite. Hein. Est-ce qu'on entend le son du jeu là? Non, c'est bon, j'ai pas envie d'avoir le casque ce soir. Donc j'ai mis le son sur mes enceintes, mais au minimum. De toute façon, c'est pas un jeu qui requiert beaucoup de qualité sonore, donc ça va aller. Alors, continuez. Sauvegarde auto, sauvegarde manuelle. Ah bah, je vais plutôt que prendre à changer la sauvegarde manuelle. Hein. J'avais plus d'argent. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? J'ai complètement oublié. J'avais Super Fan Aaron qui était en cours de vente. J'ai reçu une lettre de fan. Je suis un pilote de course professionnel, c'est ma première lettre de fan. Alors pardonnez-moi si elle est difficile à dire, j'utilise toujours votre jeu de course pour m'entraîner sur un nouveau circuit avant. De monter dans ma voiture. Grâce à vous, j'ai pu me classer 16e à la récente course de l'île Chimpan. Je recommande votre jeu à tous vos amis. Ouais, bah écoute, tant mieux si... tant mieux si mon jeu de course t'a aidé à apprendre à piloter. C'est un miracle. Et j'ai plus de fans, 20-45 ans. Je crois que j'avais vu... Alors attends... L'année fiscale se termine, 1500 giles ont été prélevés sur vos fonds pour payer les salaires. Ouh, ce... Ouh là là, il commence à coûter cher ces employés. Salut Jazz, bah écoute, moi ça va, tranquille. Déjà la fin du week-end malheureusement, mais on fait aller. Hop. C'est quoi les infos? Qu'est-ce que j'avais? Recherche, système, action, produit. Ah, c'est tous les jeux que j'ai fait. Waouh, Super Fanarun, il s'est bien vendu, hein. 184 000 unités. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça passe toujours trop vite, c'est ça, ouais. Quand tu passes du bon temps, ça passe vite, mais sinon après le reste, ça passe pas vite. Ah oui, j'avais un contrat, d'accord. Le travail pour mini-jeu est désormais terminé, nous devrions l'envoyer au client. Nous retravaillons ensemble, c'est sûr, c'est parti. Et ça a été bien payé. J'ai pas de projet, je vais créer un nouveau jeu. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme console? Il y a la GameKid, qui a 35% de part du marché. Je vais continuer sur celle-là, hein, je pense que ça vaut mieux. 16%, 25%. Elle marche bien celle-là. On va encore me reprocher de pas changer de console ou un truc comme ça. Parce que la dernière fois je changeais pas suffisamment de genre, ça leur a pas plu. Quoi faire un jeu de quiz? De type sur les robots, sur les ninjas, ça marche bien les ninjas. Allez, ok. Bon, le réalisme, on s'en fiche un petit peu.
Pas que ce soit trop simple. Monde du jeu. Peut-être pas trop. Un peu de charme, pas mal d'originalité, voilà. Ça va être sympa. On va voir ce que ça donne. Il va falloir trouver un titre. Le jeu numéro 9 sera un jeu Ninja et Quiz. Qui devrait régler le projet ? Elle. Je me suis lancé dans un nouveau jeu de... un JRPG là, qui s'appelle... Chained Echoes, je sais pas comment ça se prononce. Alors en français, Chained Echo. Ou Echo enchaîné. Il est pas mal. Je le passerai un petit peu mardi. Mardi, je ferai des démos encore, et je pense que pendant une demi-heure, je ferai ce petit jeu. Ou un quart d'heure, on verra ce que je prévois mardi, j'ai pas encore trop d'idées. Eh ben, c'est pas beaucoup tout ça. Bah oui, normalement, il n'y a pas besoin d'attendre qu'un jeu soit plus... Enfin, je veux dire, les mecs, ils attendent plus que leur jeu se vende plus avant d'en faire un autre. Hein. Faut toujours enchaîner. Boost de fun. Boost de créativité. Audio. Motivation. Des Red Bull. On va faire la... créativité. Non, attends. Ouais. Non, ça ira pour le moment. La version alpha est terminée, c'est déjà assez rapide. Qui va s'occuper de la modélisation ? Elle est douée en graphisme. Quoique elle est encore meilleure. Allez, go. Il y avait un jeu avec des ninjas, là, c'était Fruit Ninja. Mais bon, c'est pas un jeu de puzzle, c'est... Faudrait que je trouve autre chose. Comme nom. Avec des puzzles. J'aimerais augmenter le fun. Allez, on lui laisse sa chance. Mag, elle a dit qu'il faut être au moins à 80%. Putain, ça consomme. Hein. Cette connasse. Les bugs ont augmenté de 22. Mag, elle a pas fait faillite. Non, elle m'a dit qu'elle arriverait un peu plus tard aujourd'hui. Alors peut-être que oui, elle est en train d'essayer de revendre ses jeux pour se faire un peu d'argent. Je ne suis pas une mauvaise personne, je n'ai juste pas cette formation. Tu déconnes. Tous ces bugs. Et j'ai dépensé toutes mes recherches là. Senga va annoncer une nouvelle console. On va à la conférence. Salutations mesdames et messieurs. Aujourd'hui nous souhaitons annoncer notre nouvelle console, la Play Gear. Nous prévoyons de publier une myriade de jeux. Restez à l'affût, chers fans. La livraison initiale prévoit 2000 exemplaires. Non, 2000K, ça fait 2 millions. Il s'agit d'une console portable avec un écran LCD couleur. Waouh! Le marché des jeux portables va bientôt se développer. Ouais, mais elle a pas été terrible, la Game Gear.
longtemps que la Game Boy. Ça va être la galère pour débugger le jeu. Oh là là, ça prend un temps fou. Le jeu est fini, mais il faut le débugger. Ça va. Putain, Android, elle a fait chier. Elle a abusé. Un représentant de GameDex nous a proposé de monter un stand au salon. Les studios du monde entier mettent leurs jeux en avant par l'intermédiaire de GameDex. Je pense que c'est une vraie chance d'augmenter nos ventes. Allez, on y va. Bon compris, je vais m'occuper des préparatifs pour notre stand. J'espère que nous aurons beaucoup de visiteurs. Alors ça va, il y a du monde qui passait. C'est moi ça, j'ai une sale tête. Hein. Le papillon, ça me va pas. Est-ce que je vais intéresser de nouvelles personnes? GameDex est terminé, le nombre de visiteurs au stand était de 5900, presque 6000 personnes. Ouais, ils vont acheter le jeu. Je vais faire de la pub aussi. Pub radio. Allez, débug, débug. On va pas faire comme Bethesda, moi je sors des jeux non buggés. Jeu terminé. Ce jeu a de bonnes valeurs en audio, excellent. On va l'appeler... Ninja Crush. T'es jamais content, toi. Pas terrible, hein. Et du coup, je lance de suite un contrat. Moteur de jeu, film sur le flipper. Graphisme audio, scénario... J'ai pas de bon scénariste, moi. Une chanson. Non. Film sur le flipper, c'est pas mal. Sort un Call of Duty, Call of, ça ira direct. Et ouais, mais j'ai pas les jeux de tir encore. Pardon, j'aimerais augmenter l'audio. Non, j'ai plus d'argent. Waouh, 106 000. C'est, j'explose les records là. Cinquième place. Pas mal, je suis fier de moi. Pour un jeu qui était complètement buggé au début à cause de Android. C'est programmé en niveau 2. Scénariste niveau 1. Ingé son niveau 2.
designer. Je sais plus c'est quoi qu'il faut faire déjà pour découvrir des nouveaux talents, pour découvrir les nouveaux types de jeux. Faut que je retourne voir le manuel. Pub, fin de studio, changer de métier. Il y a les métiers avancés qui sont inclus au niveau 5. Le niveau du personnel. Non, c'est pas ça. Plusieurs types. En fonction de son métier, un employé peut vous permettre de déverrouiller d'autres types de jeux. Sa formation. Il faut faire une formation, d'accord. On va former elle, qui est pas terrible, dans ce domaine-là. Voilà, 300 giles. Ouais, youpi! Quelqu'un d'autre? 10 coups d'heure, pareil. Méditer, allez, médite. Elle a déverrouillé un type monstre, c'est bien ça. Je sais quel jeu je vais faire après, forcément. Objet, info, produit. On t'imagine ? Ninja Crush, au lancement, il s'est plus vendu que Professeur Jess. C'est quand même pas mal. Hein. 250 000 unités. Par contre, là, les ventes, elles s'effondrent quand même. Hein. J'ai une lettre de fan. Bonjour, j'ai entendu parler de M2M Soft la première fois au dernier salon GameDex. Fallait s'en douter, je porte la poisse. Tu me l'as déjà dit ça une fois, je crois. Chaque fois que je participe à un concours en te mentionnant, tu me dis que tu portes la poisse. J'ai été très impressionné par le fait que quelqu'un fasse des jeux comme les vôtres, alors je suis allé dans mon magasin local et j'ai acheté plusieurs de vos jeux. Je dois être le plus grand fan de M2M Soft dans ma ville. J'espère que vous continuez à me surprendre avec vos jeux à l'avenir. Ouais! Trop bien! Par contre, les gamins, ils m'aiment pas, hein! Le travail est terminé. On l'envoie au client et on va faire un nouveau jeu. 26 000 gold. Bon, le prochain jeu, faut qu'il explose tout, hein. La Play Gear n'a que 21 parts de marché, hein. C'est pas tip top. Je vais continuer sur la Game Kid. Hein. On va faire un jeu d'aventure avec le type monstre. On va faire la qualité. Je suis resté en normal pour le moment. Alors, il faut que ce soit charmant, accessible, simple. Définition, on s'en fiche, il faut que ce soit innovant et bien original. «
Ok. On va donner ça. C'est externe et ça va changer un petit peu. T'as pas intérêt de me décevoir, toi. Hein. Quoi, c'est tout? J'aurais préféré mieux. Hein. Est-ce que je lancerai pas... Boost de créativité. Boost de graphisme, anti-bug, on va faire la créativité. Créativité, c'est pour les scénarios, non? Allez, c'est parti. Encore une lettre de fan. Bon, je joue toujours à vos jeux. J'ai jamais envoyé de lettre de fan, moi. Je suis pas fan, en vrai. Je suis pas un vrai fan. Je râle beaucoup, mais je dis jamais merci. Ah, quoi que si, ça m'est arrivé déjà de dire sur Twitter que à des développeurs, mais que j'avais bien apprécié leur jeu. Si, en vrai, je suis pas si méchant que ça. Je joue toujours à vos jeux, j'ai particulièrement apprécié le jeu de questions-réponses que vous avez sorti récemment. Ah, c'était ça le jeu de quiz? De puzzle? Non, de quiz. Ah oui, de quiz. Je n'aurais jamais pensé que le combiner avec un ninja fonctionnerait. Mais c'était parfait. J'ai hâte de voir ce que vous allez inventer la prochaine fois. Tu vas pas être déçu. Pour les indés, oui, sinon les autres on s'en fout complètement. Ben voilà, c'est ça, ouais. Est-ce que j'engagerai pas un nouveau personnel? Pour pas cher. Salut Mike, comment ça va? Déjà ? Jilly Bates ? Est-ce qu'elle est de la famille Bill Gates ? Non ? Et Amiles. Très bonne programmeuse. J'ai aucun poste à pourvoir, merde. Ah zut. J'avais de la place, je suis déçu. J'aimerais augmenter le fun. Non, 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 tu m'as déjà fait l'arnaque tout à l'heure, la dernière fois, là, va te faire foutre. Comment je peux savoir le nombre de personnel max que je peux avoir? Liste du personnel. Tu as licencié un gars, embauche quelqu'un. Non, mais j'ai embauché quelqu'un. J'ai licencié un gars pour embaucher quelqu'un. Enfin, je crois. La version alpha du jeu est terminée. Il est temps de commencer le travail sur les graphismes. Je l'ai bien engagé.
Oui, voilà, Gilly Bates. J'ai engagé Gilly Bates. Allez, un bon graphiste. J'ai explosé les records sur mon dernier jeu, hein, Mag. Regarde ça un peu. 259 unités. C'est pas mal, hein. Souvent, ceux de ton équipe travaillent mieux que les externes. Ouais, faut voir. Ils coûtent moins cher, c'est vrai. Allez, sur l'audio. Toujours Android, c'est la meilleure. Ben, sauf quand elle veut faire d'autres choses, mais... Bravo pour les 200 000, ouais! Je suis content. Je viens d'apprendre que la production de Micro SX va être arrêtée dans 3 mois. Oh, ils ont fait faillite. Vous ne pouvez pas développer de jeux pour des consoles qui ne sont plus sur le marché, alors faites preuve de vigilance. Je comptais pas... développer dessus plus que ça. Chatten est 5 millions. Waouh! Bravo! Bravo, bravo! Le jeu est fini. Processus de débugage. On va faire de la pub. Et on va faire une démo cette fois-ci. Attention! Ah, les gamins, enfin. Ils sont intéressés à moi. Une fanfare, ça fait beaucoup. La pub télé, bon, ben, ça attendra. Hein. Jeu numéro 10 est terminé. On va l'appeler Pocket Monsters. Voilà, parfait. Ils sont jamais contents, hein, ces mecs. J'aimerais augmenter le fun. Mais non, mais toi tu veux toujours faire des trucs, mais tu n'es pas fun. ...69 000, ah c'est pas terrible. Hein. 8ème place. Je suis dans le top 10, mais bon. Non, on ne leur donnera pas de stylo de cadeau, c'est pour ça. L'heure de la cérémonie mondiale des JV a sonné. C'est parti. 3 jeux de chez moi. Allez, on va à la cérémonie. Salutations, mesdames et messieurs. Tout d'abord, la meilleure conception graphique. Avec une récompense de 1000 gold. Aventure Peninsula. Connais pas. A gagné un prix. Meilleure musique. Allez, j'ai une bonne musicienne, moi. Ça va être moi. Ah. Nul. Je connais même pas ce jeu. Docteur Sergio, c'est Docteur Mario, non? Et le deuxième meilleur jeu pour une récompense de 5000 gold. Street Cleaner de Camcon. J'adore, c'est trop marrant. Et le grand prix, pire jeu. Ah, pourvu que ce soit pas moi. Power Vania.
de chez Nulos Game. Non, ça va, c'est pas moi. C'était pas le même déjà la dernière fois. Et le Grand Prix revient à... Tamagotchi de chez Sony. Ah, c'est même pas eux qui ont fait les Tamagotchi. Bonne chance et bon jeu. Rien, nada, bah ouais. Quelle déception. Après, le jeu dure 20 années, donc ça va. Le travail pour Mascotte de la Ville est désormais terminé. Nous devrions l'envoyer au client. C'est parti. Au moins, je fais des bénéfices. Chaque fois, j'ai de plus en plus. Une nouvelle console, ça serait bien. Hein. PC, il n'y a plus rien. C'est fou, hein. C'est peut-être temps de passer tout en équipe au niveau de... Ah ouais, tu penses? Un jeu éducatif. S'ils entendent par accessibilité en vrai. Faire un jeu simple pour les gamins. Pocket Monster, c'est un jeunesse, il me semble. C'est possible. Franchement, j'en sais rien. Moi, j'ai pensé à Pokémon, en vrai. Hein. Voilà une combinaison assez curieuse. T'aurais dû laisser au moins un en finition. Boah. Lui, il devient scénariste? D'accord. Thank you.
devient designer, mais elle était déjà. Employés. Nippon va annoncer une nouvelle console. Nippon. Salutations mesdames et messieurs. C'est pas Nintendo, Nippon c'est quoi? C'est Sony. Aujourd'hui nous souhaitons annoncer notre nouvelle console. La PCC FQX. Nippon ni... Elle est trop bonne celle-là. Nippon ni mauvais. Nous prévoyons de publier une myriade de super jeux. Restez à l'affût, chers fans. 2 200 000 exemplaires. Une console assez atypique, mais ils vont produire beaucoup. Donc ça peut valoir le coup de développer pour elle. Comme la direction du jeu et le genre correspondent, Puzzle a atteint le niveau 2. Ah ouais? Parce que tout à l'heure, les fans, ils se disaient « Ouais, ça va pas trop ensemble. » Nouvelles astuces qui donnent 2 points supplémentaires à allouer à la direction du jeu. Ça, c'est bien, ça. Micro SX n'est plus sur le marché. 196 000 exemplaires. Ah, c'est pas terrible, Pocket Monster. J'aurais dû faire 2 versions. Une version... Une version rose et une version verte. Les fans sont parfois débiles, mais carrément, ils savent pas ce qu'ils veulent, les fans. C'est à nous de décider qu'est-ce que les fans veulent. Version alpha terminée. Qui va s'occuper de la modélisation des personnages? Donc les graphismes. Pas toi. 44. Compte 41. Ben, vas-y, décodeur. C'est tout? T'as pas assuré. Hein. Pourtant, je viens de t'augmenter et tout. Tu viens d'augmenter le graphisme. Mais fallait mieux faire juste avant. Non. J'ai pas assez de trucs de recherche. C'est quoi mon type de jeu? Énigme? Puzzle énigme? Puzzle mystère? La production de Exodus va être arrêtée. C'est pas grave. Puzzle Bubble. Pourquoi pas? Audio. Moisard. Allez. C'est ça de sous-traiter. Grossière erreur. L'année fiscale se termine. Oh là là, faut payer le personnel, fait chier. Ils peuvent pas travailler gratuitement, ces gens. Ne prends jamais les externes, je t'ai dit juste avant en plus. Oui, je sais que tu l'as dit, mais j'ai jamais dit que je t'écouterais. débogage, allez, c'est parti. L'andouille. Pub. Pub en ligne. Ah, je suis intéressé que des adolescentes. Ça change. Le jeu numéro 11 est terminé. Les valeurs de fun sur le jeu c'est bonne, mais tout le reste est faible. Ouais, en effet, ouais. Il va pas être terrible, hein.
Allez, va pour puzzle. Bubble. Je me suis trompé, forcément, parce que... Bubble. Sans S. Voilà. Publié. Non, mais même moi, j'étais pas convaincu en vrai. Scénario de jeu. Je suis pas très bon de scénario. Je suis pas très bon scénariste, moi. Film sur le flipper, allez. Ouais, c'est pas ouf, hein. 10e place. Bon, ça va encore. Doit pas y avoir beaucoup de jeux dans le marché, hein, pour être 10e avec juste 59 000 unités. Bonjour, je suis un marchand itinérant. Pas pour de suite. Plus de fun, plus d'audio. Non, pour le moment ça va. Reviens l'an prochain. Non! Il ne faut pas essayer, il faut réussir. Fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Hein? Comme disait Maître Yoda. Yoda, oui, c'est la version... La version non démonétisée. Type exploration déverrouillée. C'est bien ça. Pas mal. Et allez, nouveau jeu. Exodus n'est plus sur le marché. Mais il y a une nouvelle console. Ah non, pas encore ? Si, c'est celle-là. 23%. Ouais, mais elle a pas beaucoup de... On peut essayer. De développement. De toute façon, la Game Boy, elle va finir par être dépassée. Enfin, la GameKid. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de jeu ? J'ai débloqué quoi tout à l'heure ? Attends. Exploration. Elle va tenir jusqu'à la PS2. C'est vrai que la Game Boy, elle a traversé les générations. Alors, un jeu aventure-exploration, ça paraît logique. L'accessibilité, on s'en fiche. La simplicité, pas trop. Bonne finition, innovant, original. Monde du jeu. C'était un truc réaliste. Dark Souls. Le meilleur là-dedans. Allez.
Espresso, c'est ma Shigeru Miyamoto. J'ai rien dit, elle est mauvaise. Je sais pas c'est quoi la hype. Tu as fait un 44 avec scénario et tu prends celle qui a les 20. Ah mince. Mais tu crois que pour le développement, c'est le scénario qu'il faut faire, qu'il faut lancer dès le début? À la suite d'une enquête approfondie effectuée par notre équipe de jeu, nous avons découvert les secrets des objets appelés boost. En premier lieu, il semble que leur prix augmente avec chaque boost acheté. Oui, j'ai remarqué que c'était de plus en plus cher à chaque fois. En outre, la quantité de données de recherche requises pour l'usage d'un boost dépend du total de données accumulées par votre studio. On raconte que les studios les plus accomplis savent aussi exploiter les boosts au maximum. Alors, si vous ne l'avez pas encore essayé, nous vous conseillons de le faire. D'ailleurs, je vais en prendre un, là. Petit boost. On va droguer mes employés. Le premier scénar, l'alpha... Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais dit en plus la dernière fois. Le scénar, le graphisme et le son. Il vient d'être bien boosté, le scénar. GameDex ouvrira à nouveau ses portes d'ici peu. Ce salon représente toujours pour nous une chance de nous faire mieux. Est-ce qu'on y va? Ben évidemment qu'on y va. Et on va utiliser des costumes cette fois-ci. C'est les mascottes de Pocket Monsters. Par contre, moi je tire la tronche au milieu. Hein. GameDex est terminé, nous avons tué 8000 personnes. J'espère qu'ils achèteront le jeu. Graphisme. 41, 8, 44, 24. Allez, décodeur. T'as intérêt d'assurer, bichette. Ça va. Pardon, j'aimerais augmenter la créativité. Mais non, mais la dernière fois, t'as fait n'importe quoi encore. Pourtant, j'ai mis 80%, hein, mais elle s'est foirée. Tu es musicienne. Ne parle pas de créativité, tu es musicienne. Voilà, maintenant tu y vas. De toute façon, j'ai pas meilleur hein, en audio. Pour le moment, let's go. Les musiciens sont pas créatifs? Non! Pas pour faire de la... Pas pour faire du scénario. C'est tout? Bon, ça va. Mais j'aimerais bien savoir
La hype, qu'est-ce que c'est? Ils écoutent pas la radio, les gamins? Ah, il faut faire de la pub pour augmenter la hype, en fait. C'est ça? J'aurais peut-être en faire plus, des pubs. Peut-être au début du développement et au moment du débugage. Je sais pas. Et on va l'appeler The Legend of Mag. Intérêt qu'ils entendent bien. C'est comme les gens attendent le jeu, tu dois faire la pub pendant le débugage. Il est trop tard quand le jeu est sorti. Oui, forcément. Tu me diras, 3 ans après, il y avait toujours des pubs pour Animal Crossing. Hein. Un film sur le flipper? Flipper le dauphin ou des flippers avec des boules? Legend of Mag va être un carton, j'espère. Après, on la voit pas dans le jeu Mag en fait. Le héros, c'est un mec qui s'appelle Lien, il est habillé en vert. Salut Minaro, ça fait un bail. Oui, en effet, ça fait longtemps. Comment tu vas? Comment ça va? 52 000 exemplaires. C'est pas ouf, hein. Pas ouf, hein. Bah écoute, ça va bien, tranquille, je fais des jeux vidéo. Notre jeu ne figure pas dans le top 10. Ah, quelle déception. Ah, ouais. Faut voir, après... Jeu numéro 6. Bon, les bénéfices augmentent, ça c'est bien. C'est une déception ce jeu. Aïe 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 aïe. Et la nouvelle console est pas sortie là? Mais si c'était celle-là. 23%, 28%, on va revenir sur la Game Q, sur la Game Kid. Ce qui se vend mieux. Hein. Plus elle est moins chère. Éducatif exploration, ça peut être pas mal. Le gars qui est tout seul à son bureau, il se fait chier, mais à un point... Oui, bah c'est le directeur, il surveille ses employés très loin, c'est moi. Je... Attention, je les ai à l'œil. Ah, il était pas accessible, il était pas sain, c'est pour ça qu'il intéressait personne. Hein. Tu vois, personne n'aime les jeux durs. C'est équilibré, deux partout. Exploration et éducatif. Donc on a dit, là, le plus important, c'est le scénario. Hein. Donc on va pour... John, 45.
Magazine a écrit un papier sur The Legend of Mag, ça devrait augmenter les ventes. Ah. Bien quelqu'un qui a dit que c'était bien quand même. Un peu plus de créativité, allez. Voilà, là c'est bien. Éducatif et atteint le niveau 2. Par contre, il va falloir un titre. Nous avons également découvert de nouvelles astuces. Ouais, ça c'est bien ça. Est-ce que je pourrais pas former un petit peu du personnel aussi? Elle va faire un footing, ça sera du bien. Ah, il a découvert le type sport. Tu vois, j'ai bien fait de faire... un footing. Et ping-pong. Graphisme, mais toujours la même. Oui, ce sera toi. Ça va, tu t'es pas trop mal démerdé. Tu aimerais augmenter le fun? Moi j'aimerais que tu te remettes au boulot, allez go. Ah, qu'est-ce que j'aimerais être directeur. Je pourrais pas en vrai. J'aime pas donner des ordres aux gens. L'heure de la cérémonie mondiale du JV a sonné, c'est parti. Il y a deux jeux de chez moi, ah, c'est tout. Alors, moi j'aimerais... tu serais une horrible patronne, je pense. Non? D'après tout ce que j'ai entendu dire sur toi, avec des histoires de fouet, je sais pas quoi, là, je préfère pas savoir. T'as vu, il y a Tower Vania, il est encore là, c'est toujours les mêmes jeux, en fait. The Legend of Mag était tellement meilleur pourtant. Elga, franchement, fouet, oui. Ben là, y a pas mon... Ils n'ont pas cherché beaucoup, c'est tout le temps les mêmes titres de jeu. Zbert. Ça me dit rien. Medical Gear, pour la deuxième place. Le pire jeu, pourvu que je sois pas dedans, pourvu que je sois pas dedans. Non ! Non ! Pourtant, il s'est super bien vendu. Franchement, c'est nul. C'est le jeu qui s'est le plus fait vendre. J'ai reçu le prix du pire jeu. Mais c'est bidon! Regarde, il a fait 160 000 ventes. C'est bien, il s'est bien vendu pourtant. C'est nul. Je suis deg. Allez, go la bêta. Thank you.
Je suis déception. Pas un truc pour booster sa musique, elle, bien comme il faut. Non, par les animés. Graphisme celui-là, enfin, comparé à ce que j'ai fait avant. Allez, un peu de pub. Pas tip top. C'est dommage, on peut pas installer un dortoir au travail, comme ça les esclaves, les employés seront plus en retard. Ben ouais, franchement, faire comme en Chine, dorme à l'usine et puis voilà. 12 heures par jour, travail, dors à l'usine. Pas de congé, mal payé. Bonne créativité. Alors, un jeu d'éducation et d'exploration. J'ai pas d'idée de titre. Exploration et... j'ai dit quoi ? Exploration et éducatif. Exploration et éducatif. Dora. Ouais, non. Voilà, Daro l'explorateur. Points quand même, pas de problème de droit, voilà comme ça. On essaye les CGI. Nippon va annoncer une nouvelle console, encore ? Ils sont à fond. Aujourd'hui, nous souhaitons annoncer notre nouvelle console, la Neon Geon. mais ça parodie qui, Nippon? C'est qui faisait la Neo Geo? Comment il s'appelait ce groupe? C'est pas Atari, non? C'est SNK? Ça me dira. C'est SNK, d'accord. Prenons depuis une milliarde de jeux. Qui a cabidé, qui n'existe plus. 3 millions d'exemplaires, c'est pas mal. Comporte de nombreuses adaptations de jeux d'arcade. Daro l'explorateur. C'est nul. J'avais augmenté le graphisme, non. ...72 000 exemplaires. Ils font encore... Oui, oui, c'est vrai que SNK, oui, je connais, parce que oui, ils font des jeux de baston encore récemment, ouais. 9ème place. C'est mieux que The Legend of Mag. C'est fou, hein. Allez, boost de vente chez les gamins. En vrai, si ça marche bien, Daro étire le truc comme Daro à la plage, Daro à la prison. J'ai une lettre de fan. Je suis un grand fan depuis que j'ai lu un article sur la Daro. Sur la Daro l'explorateur, c'est mal traduit en plus. Je rêve de m'en acheter une. Une quoi? J'aime les jeux de éducatifs en général. Et ça m'a beaucoup plu que titre si soit jeu d'exploration. C'est un gars, il a 2 ans celui qui a écrit, non? Daro sur la lune. Daro et les Indiens. Le français en PLS carrément, ouais. J'ai recommandé votre studio à tous mes amis, alors appliquez-vous sur vos prochains jeux. Il y
Ils se vendent bien, hein. Ah, j'ai rien dit, ça a chuté d'un coup, là. Par contre, là, on n'est pas bon, hein. Allez, on se concentre. On pousse les graphismes. Go, 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 go. Parfait, bien joué. Go, 10 000 suites et DLC. C'est ça, et des microtransactions. Et après, on va faire un remaster et puis un remake. Nouveau jeu. Néon géant. Putain, elle est chère la licence, hein. 23% de part de marché. Il y a intérêt à ce que ça assure, hein. Merci d'avoir participé pour développer sur notre néon géant. Il semble que vous ayez cette capitale. D'accord, je vous donne une licence. Et ouais, bonne chance. Faut dire aux bambins qui jouent de prendre la carte de leurs parents et tout acheter. C'est ça. 4000 pour faire un jeu dessus. Punaise. On va faire un jeu, on va changer. J'avais pas débloqué sport. Ah mais ping-pong et sport, c'est ensemble. D'accord. Je pensais que sport c'était un genre. D'accord. J'ai déjà fait The Legend of Mag. qu'est-ce qui irait bien avec le sport? Comme genre. Course. Après ils ont dit que c'était un. Que c'était une console d'arcade. Faire un réaliste. Hop, avec de belles finitions. Allez, go. Il y a des scénarios dans le jeu de sport. Pour certains. Bon, on fait quoi? On fait un Forza, on fait un grand Turismo. Me ruine là tout ça. Daro Explorateur 230 000. Ça c'est bien ça. De pouvoir. Daro Kart. La production de IES va s'arrêter dans 3 mois. Oh, c'est la fin de la IES. Mais il va y avoir la SIES. La SIES. Non? Oula, les bénéfices sont pas bons. Tu vas augmenter la gravité? J'ai pas d'argent. Eh, j'ai de la hype. La version alpha est terminée. On fait les graphismes. C'est parti. Graphisme. Belle. Les bénéfices sont pas au top. Pas trop pour le moment, hein.
Après, on est qu'en début d'année. Donc, une fois que j'aurai terminé ce jeu, ça devrait peut-être remonter, mais... On croise les doigts. Il a fini de se vendre, déjà. Daro l'explorateur. 230 000. Pour le moment, c'est Ninja Crush qui a battu les records, hein. Bonjour, je suis un marchand itinérant. Un boost de fun. Un boost d'audio. Pas pour cette année. Allez, on va booster le fun. Le fun, c'est quoi? C'est la télécommande? Créativité aussi. Avant porteur de nombreuses idées pour notre jeu actuel sous fonctionne notre personnel. Les points du jeu ont considérablement augmenté. Ah bon? Je le dis. Tant que les bugs n'ont pas augmenté, ça me va. Comment c'est fatigué, Android. Grand nombre de points en fun. Encore plus de fun! Du coup, on va l'appeler Fun Racer. Microx va annoncer une nouvelle console. Rendons-nous la conférence. La Games One. Nous prévoyons de publier une myriade de jeux sur ce super jeu, la Games One. Ça se vendra pas. Cette console portable avant-gardiste compte un nombre impressionnant de développeurs. Nous devrions vraiment développer pour elle. On y pensera, c'est très buggé ce jeu. Un peu de pub. À la radio. J'ai pas les fonds. Merde, je suis ruiné. J'ai plus une thune. C'est l'enfer. J'ai tout dépensé. Oh là là. C'est abusé. Pourquoi j'ai dépensé tant d'argent? Il est passé où l'argent? C'est la Wonderswan? J'ai jamais entendu parler de ça. Daro Racer. J'attends la suite avec impatience. On fera un 2. Avec du bon marketing, mais j'en ai pas du marketing. Je suis ruiné. Moteur de jeu. Ouais, compétence de trop niveau, je suis pas sûr. On va plutôt faire des sonneries. Tu es passé à deux doigts de la faillite, mais carrément, ouais. Heureusement qu'il fallait pas payer de salaire, là. Game Dex ouvrira ses portes. Allez, il va me rester 27 dollars.
J'ai dépensé sans compter. J'ai plus d'eau en plus. C'est tout ce qui me reste de mon studio. Un fond de bouteille d'eau. J'espère qu'ils achèteront les jeux. Pardon, j'aimerais augmenter le audio. Non. Super Darrow Racer est en vente. US n'est désormais plus vendu. Les notifications, elles sont mal foutues. Des fois, je les vois pas, je les rate. ...163 000 exemplaires, c'est pas mal. Ça commence bien. Troisième place. Top 3. Ah, c'est le... C'est ce putain de... De récompense, là, de moins 3000 qui m'a ruiné, en fait, tout à l'heure. Selon les informations obtenues par notre magazine, un mystérieux homme masqué a récemment été vu en train d'essayer de postuler dans diverses entreprises de jeux vidéo. Nos sources indiquent qu'il s'agit d'un travailleur acharné portant un masque et que les entreprises ne devraient pas hésiter à le regarder de plus près. Donc il faut que je l'engage. En ligne, tout le monde parle de Super Darrow Racer, ça devrait booster les ventes. Voilà, les bénéfices y montent. Les bénéfices y montent. 3000 de bénéf. Moi, je l'ai engagé. Mais l'ennui, c'est que si je pour l'engager, il faut que je vire quelqu'un. Nintendo va annoncer une nouvelle console. Allons à la conférence. Tu attendras la convention. Zut, j'ai lancé déjà des sondages. Salutations mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons annoncer notre nouvelle console. La Super iOS. Je l'avais dit. Mais en fait là, on est toujours vraiment au début des années 90 en fait. Nous prévoyons de publier une myriade de super jeux. Restez à l'affût. 4 millions. ...19%, 45 000 la licence abusée. Je les ai même pas dans mon... dans mon argent. ...16% de part du marché, ...15%... ...12%, ...21%... ...50 000, mais c'est abusé pas cher. ...3%. ...19%, ...11%... On va rester là pour le moment. C'est pas tip top, mais... Il va y avoir une... C'est vraiment la guerre des... Là, c'est vraiment la guerre des consoles. Ils y sont tous dessus, hein. Aïe, 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 aïe. Dommage, je sais pas si la popularité, elle va changer après ou pas. En tout cas, pour le moment, les genres, j'arrive pas à trouver. Aventure, on va faire un truc très original, et ping-pong.
Allez, go. C'est très fun, il n'y a pas de scénario, mais ça sera fun. Cette combinaison est étrange, je me demande qu'elle donnera. Ouais, ça va être... Hey, il y a Mag, là, avec les cheveux bleus. Les résultats du bouche-à-oreille sont arrivés l'autre jour. Trois candidats ont contacté. Californie. Et il n'y a pas de Vincent Van Gogh. Il n'y a pas d'homme masqué. Programme à l'allemande. Bon, ça m'intéresse pas. Je garde mon équipe. Super Daro Racer s'est vendu à plus de 500 000 unités. C'est fou ça, le demi-million. Connasse. Il se vend encore. Hein. Comme la direction du jeu et le genre correspondent, bah oui, aventure et ping-pong, ça correspond bien. Hein. Aventure a atteint le niveau 4. Ouf, et puis là, c'est la chute, c'est la descente aux enfers. Un bel avenir comme Mario Kart, c'est ça? La version alpha est terminée. Qu'il faut changer à chaque fois un petit peu parce que l'autre là en audio tout à l'heure elle s'est foirée complet. Daro Racer n'est plus sur le marché, dommage. C'est bien vendu en tout cas. Fait faire des beaux bénéfices. J'aimerais augmenter la créativité. 1400. Non. Je ferai ça quand j'aurai beaucoup d'argent. Vous savez ce qu'on devrait faire les mecs? On devrait faire un magasin en ligne et puis on prendrait 30% sur les jeux qu'on vendrait. Ça serait pas mal, ça serait une bonne idée. La créativité. C'est mieux. C'est mieux. On va essayer d'avoir des trucs à peu près équilibrés. Le jeu en cours et de développement est désormais fini. Faisons de la pub. On va faire une démo. Non, une pub radio. Et il n'y a que les quadragénaires qui écoutent la radio apparemment. Une fanfare. Qui fait de la pub pour un jeu vidéo avec une fanfare, franchement? J'ai jamais vu, moi. Hein. Personne, c'est ça. Jeu numéro 15. Déjà 15 jeux. 15 jeux en 7 ans, c'est pas mal. Hein. C'est trop. En vrai, c'est trop. Ça fait plus d'un jeu par an. Bonne créativité, en effet, alors que j'en avais pas du tout au début. Je ne sais pas si le public accepterait une combinaison si étrange. Tout à l'heure, ça m'a dit que c'était bien. Et on va l'appeler sobrement.
Pong. Ouais, Pong. Très bien. C'est prometteur, n'est-ce pas? Trop court, ouais, je t'emmerde. Moteur de jeu, non, pas pour le moment. Développement d'outils, allez, si tu veux. On va sous-traiter un petit peu. Ah, j'allais dire, il se vend pas. Non. On va faire une balade, toi, tiens. Ça change un petit peu. Je vais te mettre au vert. Type former. C'est quoi, former? C'est genre les Minecraft, les trucs comme ça, là? Faire une formation internet. Ah, elle a perdu en graphisme. Sûrement un trans. Après, il y a 8 musiques. Chier, elle a perdu en graphisme. Ah oui, j'aurais dû regarder qu'il y avait des moins. Concert. Ah! Pour Android. Petit concert là. Flipper, elle aime pas. Flipper, ça fait perdre les moyens. Type guerre. Ah! Il arrive, Call of. Sixième place. Peut-être faire un autre truc pendant que le jeu se vend, là. Marche bien, Pong. Quelle heure il est? Ok, 21h30. Ah, les ventes ont même réaugmenté ce mois-ci, avant de s'exploser. La cérémonie... Oh putain. L'intérêt d'avoir un bon prix cette fois-ci, et pas le pire jeu alors qu'il avait tout explosé. La meilleure conception graphique. Sky Tower G+. Meilleure musique. Hot Dog Time de Karoui Soft. Deuxième place. Bouignon Bouignon de Senga, d'accord. Pire jeu. Ça va. C'est celui qui avait eu le meilleur jeu il y a 2 ans quand même. Hein. Cette fois-ci, c'est le pire jeu. C'est vraiment n'importe quoi. Ça. Ils auraient pu mettre plus d'innovation, plus de titres, je sais pas, mais franchement, c'est nul. C'est la loterie en fait, ce machin. Hackman. Pas de prix, mais au moins
pas de mauvais prix. Pong n'est plus sur le marché. 314 000. C'est pas aussi bien que Super Daro Kart Racer. Non, c'est bon, on a fini. Allez, let's go. Nouveau jeu. Mais t'as vu le prix de la licence? Ils abusent Nintendo. 12%, 16%, 15%, on va rester là. Alors, genre, j'ai toujours que ces 4 là. J'arrive pas à trouver de nouveaux genres, ça m'énerve. J'en ai marre, moi, de faire tout le temps les mêmes trucs. Sur la guerre. Oh, puzzle. Éducatif sur la guerre. De votre personnel est élevé, plus vous aurez accès à différents genres. Ah, il faut augmenter les niveaux. Ok. Je sais pas. Genre action. Ah, mais voilà. Genre shooter. Ah, ça c'est bien. On va faire un shooter de guerre prochainement. J'allais dire pourquoi tout est gris. Il y a une coupure de courant. Oh putain, il y a une coupure de courant. Enfoiré. Fin de l'abondance, tout à fait.
Allez, me déçois pas, toi. Ça va. Quand j'ai vu tout en gris, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? C'est un bug? Non, non, c'est coupure de jus. Ça va, c'est pas mal. Non, l'audio est très bien. Calme-toi sur les bugs, toi là. Petite démo. C'est tout. Un tip top, hein. L'année fiscale se termine. J'ai eu de la chance, j'avais plus d'argent que la dernière fois. Vos femmes prennent de l'âge, chaque tranche d'âge monte et un nouveau groupe de jeunes joueurs apparaît en bas. Aïe 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 aïe. Une nouvelle génération de joueurs en école primaire est apparue, il semble que nos jeux soient assez populaires auprès d'eux. C'est bon signe. Oh, ça va. Moins 16 quand même. Tous ces gens-là, ils sont quoi? Ils sont morts? C'est triste. Quiz sur la guerre. Ça va jamais rentrer. Qui veut gagner? Ça rentrera pas. Peut-être. Des bastos. Voilà. Qui veut gagner des bastos? L'écran titre n'était pas ouvert, je t'emmerde, connard, je vais le tuer, lui. Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas, le hasard. Scénario. Chanson. Je suis un développeur de jeux vidéo, je fais de la chanson. Exemplaires. 8ème place, ça va. Je reste dans le top 10 en général, hein. Je suis pas trop mauvais. Bonjour, marchand itinérant. Booster l'audio, pas trop besoin. La Red Bull, ça fait quoi déjà? Boost la recherche. Données de recherche pour la motivation.
Pas de nouvelle console là. Il pourrait baisser les prix. Part de marché 15%, 16%. Mais bon, la licence elle est abusée. 18%. Je vais rester là. Hein. Shooter. J'ai tout donné. Allez, ce jeu, il doit exploser les ventes. Ça doit être un carton. Un truc qu'ils auraient dû faire en vrai, c'est peut-être pas partir des années 80, commencer un peu plus tard pour être sur la nouvelle génération, parce que bah, la plupart des consoles, là, je pense que ça parle pas aux gens qui jouent à ce jeu, à part des gens comme nous, là. À part des vieux, quoi. Et même moi, il y a des consoles que les noms, des fois, ça me dit pas grand-chose, hein. Moi j'avoue qu'à l'époque, à part Sega et Nintendo, dans les années 90, les autres je les connaissais pas en vrai. Game Dex ouvrira ses portes. On y va. Avec des costumes. Faut intéresser les enfants parce que je vais faire un jeu de guerre. Il y a du monde, hein. Plus que la dernière fois. Beaucoup plus que la dernière fois. J'ai cliqué trop vite, j'ai pris le premier développeur qui traînait. Tu aimerais augmenter la créativité. Trop cher. Pourquoi ils me réclament de l'argent pour augmenter la créativité? Travaille plus, c'est tout. La bêta est terminée.
Ah, j'ai eu peur. J'allais dire, ça va. Une panne de matériel, fait chier. J'ai perdu de l'audio, oh là là. Nintendo va faire une nouvelle console encore. S'en fout. La Virtual Kid. Ça marchera jamais. millions d'exemplaires. Mais non, ils en ont même pas vendu autant que ça. Apparemment, vous regardez à travers ces lunettes pour voir une image en 3D. Je crois pas que celle-ci se vendra très bien. Et vlan. Ça va, l'audio est un peu remonté. Il y a pas trop de bugs. Une démo. C'est tout. Ils ont bien joué la référence. Franchement, oui, ils savent que la console s'est mal vendue et du coup, ils le refont. Alors, on va l'appeler Doom. Avec plein de haut. Ça explose. C'est bien au moins, mais mon personnel, il rush, il prend pas de congé. C'est très bien comme ça. 148 000 pour la première, première semaine. C'est fou ça. Quatrième place. Doom dans ton lit, Doom dans le TVC. Voilà, c'est ça. Ça va exploser les ventes. C'est quoi, recherche? Meilleure vente, c'est 515 000. Bon, je vais presque pouvoir acheter une licence Nintendo. Des mini-jeux. En 6 semaines. Ah, oh, si, ça peut se faire. Faut que je fasse ça pour que ça monte très vite, parce que franchement, là, 4 semaines, ça va aller vite. Hein. Une lettre de fan. J'étais moi-même un développeur de jeux dans ma jeunesse, aujourd'hui je me contente d'y jouer, mais il fallait que je vous écrive pour vous dire à quel point j'ai apprécié votre dernier shooter. Une entreprise moyenne ne pourrait pas reproduire ce genre de perfection. Si je n'étais pas à la retraite, j'aimerais bien postuler pour un job dans une entreprise, mais je suppose que je vais devoir me contenter de jouer au jeu. Bah oui, vas-y. 41 ans et plus, déjà en retraite. Ouf, c'était limite, hein. Heureusement que j'ai boosté le truc.
Doom n'est plus sur le marché. Allez, go, nouveau jeu. J'ai pas vu. 373 000, c'est tout. Déception. Quelle heure il est? Il nous reste le temps pour faire un petit dernier jeu? Je me régale. Oh, je vois pas le temps passer en vrai sur ce. On va refaire un shooter. Mais cette fois-ci. Avec des robots. Non. Avec des animaux. Mais Former, j'arrive pas à voir ce que c'est. Action. Un jeu d'action. Avec du catch, non? Avec des animaux. Un jeu d'action avec des animaux. Attends. Quelle console? 10%, 14%. Un jeu d'action avec des animaux, comment on pourrait l'appeler? Un jeu d'action. Ça correspond, que tu le dis. J'étais en train de penser, il y a pas longtemps sur la Switch, je crois que c'est la semaine dernière, il est sorti un jeu, un visual novel gay avec des furies. Et j'ai pensé, je pensais à un jeu avec des furies, puis j'ai repensé à ce jeu que j'ai vu dans l'eShop, je fais « Ah oui, il en faut pour tout le monde, oui, je suis d'accord, mais quand même, c'est un peu abusé. » Avec des furies. Qui devrait s'occuper de la modélisation? Non, parce que là, je cherchais un jeu d'aventure avec le mot « furie » dedans, mais je trouve pas... J'aimerais augmenter le niveau de créativité de notre jeu. Non, c'est bon. Mais franchement, toutes les semaines, sur l'eShop, il sort un de ces trucs. Il y a toujours des jeux de plus en plus alambiqués.
En vrai, tu me diras, sur Steam, j'ai vu qu'il y a carrément une catégorie jeux pour adultes. Hein. Je fais OK. Vous savez qu'il y a des enfants sur votre plateforme de jeux vidéo. Lors de la cérémonie mondiale des JV a sonné. Plusieurs prix seront accordés. J'espère que je vais avoir quelque chose de potable. Battle Frog, New Lost Game, Medical Gear, Android, elle est pas forte pour la musique, hein. Dragon Ace, c'est pas moi. Pire jeu, Panic in the Prairie Dog, au moins c'est pas moi. Et le meilleur jeu, c'est Donkey King, tant pis. Bon, ben je vais sauvegarder, puis on va s'arrêter. Hop, partie sauvegarder, menu, système. Je vais quitter le jeu, ça quitte complètement le jeu, je crois. Bon, ben voilà. Ah, je me suis rendu compte, j'étais même pas passé en plein écran. Bon, c'est pas grave. Du coup, ben pour la semaine prochaine, ben toujours pareil, des démos pour mardi. J'ai pas de jeu de prévu, enfin... Non, j'ai pas de jeu de prévu. Donc on fera quelques démos, on verra comment on s'organise. J'en ai une dizaine, je crois, encore, de côté. J'en ai sur la Play, sur la Switch, sur le PC. Il y a de quoi s'occuper. Jeudi, on continue Eastward. Samedi, toujours Jedi Fallen Order. Et dimanche... Dimanche prochain, on continuera ce petit jeu, il est sympathique. Il me restera deux streams, je crois, sur Game Dev Story. Là, je suis presque à la moitié de l'année. Il y a 20 années, on est déjà à l'année 8. On verra bien. Sur ce, merci Mike, merci Jess. Minaro, je crois qu'il est déjà parti. Je vous dis bonne nuit, bonne reprise pour demain. À mardi 20h. Ciao, ciao.